Moi, homme ou femme, je fais pas de différence. Les compétences, c'est les compétences. Un homme, une femme, un castor, si ça s'est programmé, ça, je vois pas le problème. Je vois pas pourquoi ça me concerne. OK. Partons sur cette base-là. Que j'ai entendu souvent, souvent dire. Alors, on va juste vérifier à quel point... Alors, on est sincère hein, quand on dit ça. Loin de moi l'idée de penser qu'on l'est pas. Maintenant, on va voir juste où c'est vrai. Je vous ai mis un petit picto facile à reconnaître. Regardez la personne assise à côté de vous et essayez d'évaluer si la personne assise à côté de vous est un homme ou une femme. Est-ce que vous en sortez ? Je suis d'accord, les statistiques vous aident. Vous pouvez faire un pari statistique et vous dire que c'est un homme. Il y a un gros à parier que vous ayez bon, mais enfin, on ne sait jamais. Hein. Bon, vous en êtes sortis. Bon. Je vois que vous êtes des experts en détection d'hommes et de femmes. Vous avez fait comment ? Alors, ce qui est bien avec les informaticiens, c'est que de temps en temps, il y a des barbes, et ça, c'est hyper pratique pour faire le distinguo. Même si, on est d'accord, certains hommes se rasent, voire certains hommes viennent d'ethnies où les hommes n'ont pas ou pratiquement pas de barbe. Ouais, c'est une info qui est pas mal. Alors, vous voyez, là, on a des infos sur cette image qui sont assez bonnes. Mais ça, on ne peut pas mettre en œuvre. Enfin, je veux dire, dans un échange social habituel, ça, ce n'est pas possible. On ne voit pas si les hommes ont une feuille de vigne, par exemple. Bon. Bon, incidemment, cette image, moi, elle me fait toujours un peu rire parce que je tiens à vous dire que les femmes, elles ne ressemblent pas exactement à ça. Pour de vrai, je veux dire, on n'est pas tout à fait comme ça. De même que je suis sûre que certains d'entre vous ne portent pas de feuille de vigne. Bref. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'on est en fait tous et toutes experts et expertes à détecter si les personnes avec qui on discute est un homme ou une femme. Et d'ailleurs, si cette personne, vous n'arrivez pas à déterminer instantanément si c'est un homme ou une femme, si vous êtes face à une personne non-binaire, face à une personne trans, vous allez faire une pause en vous disant « mais... au fait, alors peut-être, vous allez vous dire, mais ça n'a aucune importance, je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a plus que deux genres, etc. Mais enfin, vous allez faire une pause. Imaginez, vous allez, je ne sais pas, acheter un pack de coca à l'épicerie du coin, arriver à la caisse, vous êtes là avec votre pack de coca, et la personne qui encaisse, vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme. Eh bien, pendant toute l'interaction, ça va vous perturber. Et en soi, on s'en fout, enfin, je veux dire, sauf si on a des vues matrimoniales, voire plutôt même reproductives avec cette personne, le coca va coûter le même prix, en partant, il aura le même goût, vous en aurez autant, enfin, je veux dire, le but de l'interaction, il n'y a pas de différence. Pourtant, vous allez repartir avec votre pack en vous disant, mais au fait, quand même, c'est un homme ou une femme. Ça ne vous sert à rien, mais pourtant, vous avez besoin de faire le point. Parce que, involontairement, inconsciemment, vous savez, vous avez appris depuis tout petit, qu'a priori, l'humanité se détermine en deux catégories, les mâles et les femelles, ce qui n'est pas tout à fait vrai biologiquement déjà, mais bon. Que ces deux catégories vont produire des hommes et des femmes, ce qui n'est pas tout à fait vrai socialement non plus, mais bon. Et que si vous n'avez pas cette catégorie, ça vous perturbe, alors qu'en soi, ça ne vous sert à rien, mais en fait, involontairement, vous allez convoquer tout ce que vous savez des hommes ou tout ce que vous savez des femmes et vous pensez que ça va vous aider à l'interaction, y compris quand c'est juste pour payer du coca. Et vous savez au fond de vous que ce n'est pas vrai, que ça va vous aider en rien et que tout ce que vous savez des hommes ou tout ce que vous avez des femmes, dès qu'on va un petit peu plus loin que qui a un utérus et qui a une prostate, il y a de bonnes chances que ce soit approximatif, voire franchement faux. Néanmoins, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Donc c'est pour ça que quand on dit « moi, je ne fais pas de différence si c'est un homme ou si c'est une femme », du moment qu'il y a de la compétence,
Ouais, ça, c'est ce qu'on voudrait faire. OK. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on est sûr qu'on le fait vraiment? Parce que même dans les moments les plus anodins, on ne peut pas s'empêcher de convoquer tout ce qu'on sait. Alors, ça veut dire quoi, tout ce qu'on sait? De convoquer tous les stéréotypes qu'on a en notre possession sur les hommes et sur les femmes et de se dire que ça ne va pas jouer dans notre évaluation de la personne. Ben, ce n'est pas tout à fait sûr, évidemment. Alors, revenons à nos histoires de genre et numérique. Je ne vais pas vous expliquer qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le numérique. Enfin, je veux dire, là, on en est une démonstration immédiate. Alors, vous c'est ça, quoi. Hein. Voilà, faut une loupe pour voir les femmes. Voilà. Bon. En même temps, en Europe, on est là. Alors, on est là. La barre, c'est la moyenne européenne, c'est 17%. L'immeuble le plus haut, c'est la Bulgarie, c'est même pas 35%. Vous voyez, on passe les 30 de justesse. Bon, je ne vais pas dire que tous les pays européens sont logés à la même enseigne, mais enfin, on se bat sur des tout petits pourcentages de différence. Hein. Alors pourtant, le truc qui est marrant avec l'informatique, c'est qu'on a tendance à dire « Non, mais dans la société d'aujourd'hui, les femmes progressent dans tous les domaines, elles prennent de plus en plus de postes, dans de plus en plus d'endroits, et l'espace d'une génération, l'affaire sera réglée. » Moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. L'espace d'une génération, manifestement, s'est raté. Et puis, en informatique, ce qui est frappant, c'est que on n'a pas commencé comme ça. La première personne à avoir écrit un programme informatique, la personne qui a inventé la boucle, qui est un truc qui sert quand même, hein, c'est Ada Lovelace. C'était sur une machine mécanique. C'était en 1848 et des balais sur la machine de Charles Babbage. Non seulement elle a inventé la boucle, l'idée qu'on puisse avoir une condition de sortie, des données en entrée, des données en sortie, et puis l'idée aussi que, après tout, les machines, elles pouvaient faire plein de choses, tout dépend du programme qu'on mettrait dedans. La compilation, c'est Grasshopper qui l'a inventé, et puis après, elle a compilé le programme COBOL. Vous pensez ce que vous voulez du COBOL, mais en termes de longévité, c'est quand même un peu impressionnant. Ces dames sont des mathématiciennes qui programment l'ENIAC. Alors ouais, l'ENIAC, c'était un truc un peu, un gadget quand même assez imposant. Et là, ce qu'elles font, ce n'est pas des demoiselles du téléphone. C'est-à-dire que la programmation, à l'époque, c'était assez physique. Donc on avait 6 mathématiciennes qui programmaient l'ENIAC. Puis à côté, on a Margaret Hamilton. C'est elle qui a inventé la formule de génie logiciel. Elle a travaillé sur le système embarqué de la capsule Apollo, et elle était spécialisée dans la détection d'erreurs. Mais que se passait-il? Pourquoi toutes ces femmes en informatique à cette époque? Voici des photos, ce n'est pas des congélateurs chez Picard, voici des photos d'ordinateurs dans les années 60, ça se voit un peu à la tenue, aux tenues vestimentaires. Ce n'est pas des photos qu'on a prises exprès en mettant des femmes à des fins de diversité ou de trucs comme ça. C'était des photos, alors là, c'est C2I au nez Welbull, les fameux DPS6, DPS7, des environnements informatiques assez banals avec des hommes et des femmes qui travaillent dans ces environnements informatiques. C'était des environnements relativement mixtes. Alors, ce qui est amusant, c'est que comme on pense qu'on a un progrès naturel de la société, qu'on va vers l'avant, vers de plus en plus d'égalité, s'il n'y a pas de femmes aujourd'hui en informatique, on se dit, ben, aujourd'hui, il y en a à peu près zéro, donc hier, il y en avait encore moins, parce qu'on progresse de façon linéaire. Non, pas du tout. Il n'y a aucun progrès linéaire qui se passe, et en l'occurrence, en informatique, ce n'est pas du tout ce qui se passe, il n'y en a pas de plus en plus, il y en a de moins en moins. Alors, que se passe-t-il? À cette époque, et dans les années d'avant, la programmation informatique, c'était totalement sans valeur. Le matériel avait de la valeur. C'était des ingénieurs qui construisaient des machines. Il y avait des disciplines dans les universités, il y avait des diplômes qui avaient de la valeur, qui étaient reconnus. Voilà, faire les machines, ça avait de la valeur. Grasshopper, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui a inventé la compilation, elle a pronostiquer qu'à terme, le logiciel finirait par valoir plus cher que le matériel. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'elle a eu bon. Mais à l'époque, ça semblait assez difficilement crédible. Et donc, la programmation informatique ne valait rien. Et il y avait des femmes sous-payées, comme les programmeuses de l'ENIAC, qui programmaient les ordinateurs en n'étant pas reconnues. Et il n'y avait pas de diplôme dans les universités, de toute façon, qui menait à ça. En gros, on inventait la programmation en la faisant. Les choses basculent au moment de Margaret Hamilton, celle qui a
contribué à poser le module Apollo sur la Lune parce que elle a prouvé qu'effectivement le logiciel, ça pouvait être fondamental. Elle est la première personne, pas la première femme, la première personne à porter le titre d'ingénieur logiciel. Et puis le logiciel prend ses lettres de noblesse et commence à valoir de la valeur. Et comme ça s'enseigne dans les universités de sciences et que les universités de sciences sont abondamment fréquentées d'abord par des hommes, on commence à avoir des hommes informaticiens en logiciel. Et puis en même temps arrive le micro-ordinateur. Et là, les images de pub changent. Alors, mention spéciale pour Apple, hein. Vous avez monsieur qui fait le budget familial pendant que madame fait la vaisselle en souriant. Alors, le truc classique, c'est que quand les femmes font la vaisselle dans les pubs, elles sourient. Ça nous épanouit, vous imaginez même pas à quel point c'est du bonheur. Et soit dit entre nous, vendre des Apple pour faire le budget familial, si c'était pas du foutage de gueule. Je sais, mon père en a acheté un à l'époque. C'est là-dessus que j'ai appris à programmer. On avait déjà des calculatrices, hein, on n'avait pas besoin de ça. On vendait pas une machine pour faire le budget familial, on vendait du fantasme, hein, faut être clair. Puis à côté, vous avez IBM qui annonce le nouvel ordinateur portable. Alors portable, certes, à deux mains, mais vous voyez d'où on vient. Hein. On appréciera la cravate également. Tout ça pour vous dire que l'imagerie change complètement. C'est-à-dire qu'avant, on avait des gros systèmes avec une population assez mixte. Voilà le micro-ordinateur qui arrive. On fait du logiciel qui commence à prendre de la valeur. Et le micro-ordinateur, il va chercher dans la pop culture, dans les images de la science-fiction, vous regardez le film Wargame des années 80, c'est un bijou des fantasmes sur l'ordinateur et la pop culture de ces années-là. C'est l'ordinateur qui peut déclencher la Troisième Guerre mondiale et l'informaticien qui sauve le monde en l'arrêtant, c'est extraordinaire. On a donc deux conjonctions qui se rejoignent, la montée en puissance du développement informatique, la montée des salaires, le fait que c'est l'emploi assuré, avec des discours politiques qui encouragent les jeunes, comprendre les jeunes hommes à aller dans cette direction, parce que la France doit entrer dans le 21e siècle avec une jeunesse formée à la programmation, et en même temps, les images de science-fiction, de la pop culture, de l'intelligence artificielle qui ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on a actuellement, et on a ça. Cette courbe, c'est les États-Unis. Vous avez la progression des femmes dans toutes les filières, on va dire l'informatique, là, qui est en rouge, elle est dans le peloton, et puis au moment des années 80, arrivée du micro-ordinateur, montant en puissance des métiers de l'informatique, hop, la courbe s'effondre, avec en gros un retour à l'état initial, alors que d'autres disciplines arrivent à peu près, même la physique arrive à peu près à la parité. Ça, c'est maintenant ma thèse. La courbe rouge, c'est la part des femmes dans les écoles d'ingénieurs. Alors aujourd'hui, on n'est toujours pas à 30%, on s'en approche, mais on n'y est toujours pas. Et la courbe bleue, c'est l'informatique. Voilà, jusqu'aux années 80, tant que ça valait pas grand-chose, ou c'était pas si reconnu que ça, y avait des femmes, bien plus que dans la moyenne des écoles d'ingénieurs. Années 80, l'informatique est la profession d'ingénieur la plus féminisée avec l'agroalimentaire. Alors aujourd'hui, c'est toujours l'agroalimentaire, hein, la plus féminisée, et l'informatique est la profession la moins féminisée avec l'aéronautique. Bon. Donc, il n'y a pas un progrès naturel, d'une part, et il n'y a pas non plus une fatalité qui dirait que si vous avez deux chromosomes X, pour l'informatique, c'est mort. D'ailleurs, il y a un autre endroit où les femmes ont deux chromosomes X, si je puis dire, c'est en Malaisie. Pendant ce temps, en Malaisie, des femmes en informatique, il y en a beaucoup. Alors, j'ai pris la Malaisie parce que j'ai des études là-dessus, mais je pourrais prendre un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, je pourrais prendre d'autres pays d'Asie du Sud-Est, des pays de l'ancienne Europe de l'Est. Là, manifestement, on n'est pas du tout dans la même chose. 40% de femmes en doctorat. En France, on arrive péniblement à 18%. 7 professeurs sur 10 sont des femmes, ainsi que la doyenne. La Malaisie serait-il le pays cyberféministe que l'on aurait omis de remarquer? Non. Je vous vends la mèche, c'est pas ça. En Malaisie, l'informatique, c'est un vrai métier de femme. Pourquoi? Déjà, c'est un métier du tertiaire. C'est pas l'industrie, vous voyez. C'est un métier qui n'est pas dangereux et qui n'est pas salissant. C'est un métier où la force physique n'est pas nécessaire. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est un métier qu'on peut exercer de chez soi en gardant ses enfants ou ses parents âgés. C'est un vrai métier de femme. Vous saviez pas, hein? Alors, effectivement, il manque peut-être une ou deux composantes de l'informatique, certes. Genre la technique, vous voyez, ce genre de truc. Mais en effet, ça, c'est vrai. Et normalement, c'est ainsi
qu'on détaille ce qu'on considère comme étant un métier féminin. Moi, je joue avec mes étudiants et je leur montre ces caractéristiques. Je leur demande de me citer des métiers, puis en face, je montre les caractéristiques d'un métier dangereux, salissant, où on porte de lourdes charges, à forte responsabilité, où on doit travailler la nuit et les week-ends, et c'est les soins infirmiers, qui est un vrai métier d'homme. Bon, en fait, évidemment, il n'y a pas de métier d'homme et il n'y a pas de métier de femme. En fait, on reconnaît le sexe d'un métier au sexe des personnes qui l'exercent. C'est-à-dire qu'il y a des sets de compétences assez vastes. Et dans ces sets de compétences, il y en a quelques-unes qui seraient fondamentales du métier, mais selon le pays dans lequel vous êtes, ce n'est pas les mêmes. Ces compétences sont genrées et le métier devient genré. Si je vous demande de décrire le métier de l'informatique, vous n'allez sûrement pas mettre ça d'abord, mais vous allez peut-être me parler de logique, de technique, de programmation, de choses comme ça. Et si je vous demande de décrire les métiers en soins infirmiers, vous n'allez probablement pas me dire « c'est un métier dangereux, on porte de lourdes charges d'abord », mais plutôt le soin aux autres, ou le fait que c'est un métier subalterne, mal considéré, et pas le fait qu'on travaille la nuit et les week-ends. J'aime beaucoup quand on dit aux femmes cadres « ah ouais, non, mais alors les réunions le soir, c'est pas compliqué ?» Ok, c'est compliqué. On ne demande pas aux infirmières, ah ouais, mais alors les gardes de nuit, c'est pas compliqué. Ben si, évidemment que c'est compliqué. De toute façon, il y a deux sphères en conflit qui sont la famille et le métier. Et toute personne qui se colle à l'articulation des deux sphères, homme ou femme, c'est compliqué, c'est sûr. Et c'est pas ça qui devrait créer les métiers d'homme ou les métiers de femme. Bon. Alors parfois, on dit, ouais, si les femmes ne viennent pas en informatique, alors qu'elles peuvent, hein, on les accueille à bras ouverts, il n'y a pas de problème. Si les femmes ne viennent pas en informatique, c'est parce qu'elles s'auto-censurent. D'où ça peut nous venir un truc pareil? Je ne sais pas. C'est un vrai mystère. Alors, plutôt que de vous montrer toute ma collection de bad practice, j'ai utilisé l'IA. Vous savez, l'IA qui est le miroir déformant des biais de notre société. Vous allez sur Google Images, vous demandez des images d'écoliers ou d'écolières. Alors, vous, je ne sais pas. Mais pour moi, une écolière, ce n'est pas ça. Mais c'est peut-être parce que je suis une fille et que je suis en sciences de l'éducation, hein, j'en sais rien. Et après, on se demande pourquoi les filles veulent aller en crop top à l'école. Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Je ne comprends pas. Vous jouez avec des logiciels de traduction et des langues neutres, comme le turc ou le finnois. En finnois, c'est le même pronom. Et en français, ça devient « il est riche, elle est sexy ». Il a une super voiture, elle a un joli cul, il fait du sport, elle a mal à la tête, elle s'occupe des enfants, elle prend soin de sa mère, il est candidat à la présidence, etc. Enfin, vous avez compris, quoi. C'est-à-dire que l'IA fait un pari statistique pour traduire ce pronom neutre en un pronom il ou elle, et au lieu de mettre les deux, eh ben, elle tente. Voilà, ça donne ça. Parlons des computer scientists. Deux pages absolument identiques de chercheurs en computer science. L'un des deux chercheurs s'appelle John et l'autre s'appelle Marie. Et on laisse Google mouliner et référencer tout ce monde-là sur le site d'une même université américaine. Et au bout d'un moment, on cherche. Et la page de John s'affiche plus tôt dans la série de réponses que la page Marie, car Google calcule la proximité entre John et Computer Science et trouve que c'est plus probable que la proximité entre Marie et Computer Science. Donc, il n'y a pas beaucoup de femmes en informatique et puis en plus, vous n'avez pas beaucoup de chances de les trouver. Parce que l'IA se demande si c'est vraiment pertinent. Alors, on va voir si vous faites de bonnes IA. Parce que statistiquement probable ne veut pas dire pertinent. Alors, jouez avec moi. Paris est à la France, ce que Berne est à... On est bien parti. Biden est aux USA, ce que Macron est à... Tout va bien. L'homme est au programmeur, ce que la femme est à... La ménagère. C'est la même proximité, c'est la même probabilité entre les deux. C'est pas l'IA qui est sexiste, hein, on est bien d'accord. C'est l'IA qui se nourrit de toutes nos données, et toutes nos données lui disent qu'il y a la même probabilité statistique entre Macron et France, Biden et USA, homme et programmeur et femme et ménagère. Bien. D'ailleurs, il n'y a pas que les femmes, hein, le problème. Là, on a demandé à une IA de décrire un médecin africain en train de soigner des enfants. Pardon, un médecin africain noir en train de soigner des enfants. Ben, l'IA n'y arrive pas. Voilà. Pourtant, on lui a demandé, hein.
Sur 350 images générées, à force de remettre le couvert, ils ont réussi à faire 22 médecins noirs, mais jamais avec des... 22 médecins noirs, on n'a jamais pu avoir, par exemple, de médecins noirs soignant des enfants blancs. Alors ça n'a jamais marché non plus. Bref. Revenons aux questions hommes et femmes. Cette disproportion dans les représentations que là, je vous ai fait à travers l'IA, mais qu'on trouve dans la société autour de nous, allez voir Pat Patrouille si vous ne croyez pas que les stéréotypes ont encore la vie dure. Vous allez comprendre de quoi je vous parle. Demandez à vos enfants qui vous racontent. On demande à des élèves fin primaire, début secondaire. On leur montre cette figure-là et on leur dit voilà, ceci est un exercice de géométrie, il faut recopier la figure. Ou bien, ceci est un exercice de dessin, il faut recopier la figure. C'est le même exercice, c'est la même tâche. Simplement, dans un cas, on dit que c'est de la géométrie, dans l'autre cas, on dit que c'est du dessin. Il y a des stéréotypes qui pèsent sur le dessin et la géométrie. Les filles ne voient pas dans l'espace, les garçons ne sont pas soigneux, les filles ne sont pas bonnes en maths, elles sont bonnes en lettres, elles sont bonnes dans les arts et dans les loisirs créatifs. Les garçons, c'est des scientifiques. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, on les connaît. Même si on n'est pas d'accord, on les connaît. Et à cet âge-là, on les connaît. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Les écarts sont statistiquement significatifs. L'échelle n'est pas à zéro, mais les écarts sont statistiquement significatifs. Quand on annonce que c'est un exercice de dessin, les filles réussissent mieux que les garçons. Et quand on annonce que c'est un exercice de géométrie, les garçons réussissent mieux que les filles. Souvenez-vous, hein, c'est le même exercice. Et c'est surtout frappant, c'est l'écart de performance entre les filles entre elles. Quand elles pensent qu'elles font de la géométrie, elles réussissent nettement moins bien que quand elles pensent, pour un même exercice, qu'elles font du dessin. Oui, parce qu'elles aussi, elles sont les miroirs de notre société, comme l'IA. C'est-à-dire, à force d'entendre dire, de voir, d'être confronté à des représentations dans lesquelles elles ne sont pas ou dans lesquelles on les affecte, eh ben, au bout d'un moment, en termes de performance, ça se gâte. Et maintenant, allons voir dans le cerveau de ces personnes. Là, cette fois, vous prenez des étudiantes et des étudiants en maths, vous les mettez dans une IRM. Vous leur proposez des équations à résoudre de tête, qui ne sont pas triviales, mais qui sont pas non plus, enfin, qui sont faisables de tête. Puis vous piochez une équation au hasard. Pas la même à chaque fois, évidemment. Vous piochez une équation au hasard et vous dites, alors, sur l'équation suivante, les résultats des hommes et des femmes sont différents. Différents. On ne dit pas qui fait mieux, hein. On dit différents. Tout le monde connaît le stéréotype, ce n'est pas la peine de le dire. Les résultats des hommes et des femmes sont différents et qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit dans le cerveau des filles s'allumer la zone qui gère les émotions négatives. Elle tente d'inhiber ce qu'on est en train de suggérer. Mais ça ne marche pas bien parce que dans ce cas et dans ce cas seulement, on voit une différence de performance à la résolution d'équations entre les garçons et les filles. Voilà, ça s'appelle la menace du stéréotype. Donc, quand bien même vous ne faites pas de différence, quand bien même vous pensez que vous ne faites pas de différence, quand bien même vous ne voudriez pas faire de différence, et les femmes elles-mêmes n'ont absolument pas envie de se sentir, de sentir plus en difficulté, notre cerveau n'est pas que notre ami sur ces choses-là. Bon. Alors, ça donne quoi ? Ça donne des trucs comme ça. Ça, c'est l'écart de salaire homme-femme. Alors, je suis d'accord, vu la faible proportion de femmes qui a répondu à l'enquête de la FUB, je ne suis pas sûre que que le nombre de femmes soit statistiquement significatif, vu qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais on a quand même un offset assez constant sur toutes les années entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. On a beaucoup dit que c'est parce que les femmes osaient demander moins. C'était vrai jusqu'aux années 90. Jusqu'aux années 90, les femmes osaient demander moins que les hommes. Et donc, les entreprises pouvaient dire « c'est pas ma faute, elles demandent moins, je leur donne moins ». Déjà, sur le « c'est pas ma faute », on peut en discuter, mais allez, admettons. Aujourd'hui, on a plusieurs études, un peu partout dans le monde occidental, qui montrent que les femmes demandent autant. Mais pour qui elles se prennent ? C'est-à-dire que les employeurs, hommes ou femmes, ne donnent pas autant. C'est-à-dire que quand les hommes disent « j'ai fait ça, ensuite j'ai réalisé ça, et puis là j'ai fait ça », on dit « ah ouais, quand même ». Et quand les femmes disent « j'ai fait ça, ensuite j'ai réalisé ça », non mais franchement, peut-être elles se mettent un peu en avant, non, ça n'a pas un peu exagéré. Voilà, donc les femmes demandent autant, mais de toute façon, elles ont moins. Personne ne sait qu'il ou elle fait ça au moment où il ou elle fait ça. C'est que simplement, à cause de tout un tas de représentations,
on a plus de facilité, comme les IA, à associer hommes et compétences, surtout dans les domaines techniques, que femmes et compétences. Évidemment, on paye la compétence, hein, on est d'accord. Bon, alors on fait quoi? Bon, on peut faire des trucs. C'est pas exhaustif, mais c'est un petit exemple d'école qu'on dit qu'elle n'allait pas se résoudre à avoir 5%, 10%, 12% de femmes et qu'elles allaient faire un peu mieux. Toutes ces écoles-là ont actuellement entre 40 à 50% de femmes dans leur pool d'étudiants, d'étudiantes. Alors, comment ces gens ont-ils fait? Partons en Norvège. NTNU, ils ont fait une grande politique d'inclusion. Quand vous faites une politique d'inclusion, il y a toujours trois dimensions. Intéresser, recruter, socialiser. Si vous laissez tomber un des trois maillons, ça ne marche pas. C'est-à-dire si vous intéressez des femmes qui postulent, mais que vous ne vous préoccupez pas comment les recruter, ben, ça ne marche pas. Si vous les recrutez et que vous ne vous préoccupez pas de leur carrière, ben, ça ne marche pas. Intéresser, donc voilà, ils ont mis en avant le fait que NTNU était intéressé par recruter des femmes, et que c'était qu'il y avait des compétences diverses et que ces compétences diverses étaient portées par des personnes diverses. Et pour les recruter, alors il y a eu deux choses qui ont été faites. Il y a eu une journée non mixte où les femmes ont été spécifiquement invitées. Vous allez dire pourquoi? Alors, ne me dites pas, moi en tant que femme, j'ai pas de problème avec les mecs. De toute façon, si vous êtes là, j'espère. Hein. Moi non plus, j'ai été informaticienne, je n'avais pas de problème avec les mecs. La question, elle n'est pas là. Mais quand on est ultra minoritaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne. Mais c'est-à-dire que sur un congrès, si on met toutes les femmes dans une pièce, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas si isolées. Mais quand on prend toute la population, bah oui, là, ça fait vraiment très, très peu de monde. Et on se sent bien plus isolé. Faire un Women's Day, ça veut dire que les étudiantes qui avaient envie de postuler étaient entre elles et elles s'apercevaient qu'elles n'étaient pas une. Alors effectivement, elles n'étaient pas non plus 600, hein, mais ça donne quand même une autre impression. Alors, ils ont mis des quotas. Vous allez me dire, oh, quelle horreur, les quotas, on va embaucher des femmes pas compétentes à la place d'hommes compétents. Moi, j'étais une informaticienne quota, je ne le savais pas. Et d'ailleurs, j'aurais trouvé ça infamant si je l'avais su. Hein. Je vous dis ça très honnêtement, depuis, j'ai réfléchi. Si on est d'accord qu'on a toute une suite d'obstacles, dont ceux que je vous ai montrés, là, avec la menace du stéréotype, dont pas de patrouille et Playmobil, dont etc. Si on prend acte qu'on a toute une suite d'obstacles qui fait qu'au moment de postuler, ou au moment d'y aller, au moment de résoudre une équation, alors qu'on pense que les gens qui nous regardent autour de nous pensent qu'on va échouer, si on pense, enfin, si on a conscience de tous ces éléments-là, et qu'au bout d'un moment, on donne un petit coup de pouce pour compenser ce retard, le quota, c'est ça. C'est au bout du compte, donner un petit coup de pouce pour un petit peu compenser toutes les difficultés qui étaient là préalablement. Et puis, accessoirement, est-ce que vous pensez vraiment que les notes que vous avez eues au bac sont intégralement et totalement prédictives du niveau que vous avez aujourd'hui? Donc, recruter exclusivement, par exemple, sur la base de notes, en disant, ah oui, mais moi, si je prends quelqu'un... je regarde son niveau scolaire, ce serait quand même parfaitement injuste de prendre quelqu'un à moins bon niveau scolaire que... Je vous crois que c'est complètement juste, le niveau scolaire. J'ai en sciences de l'éducation, et puis je peux vous assurer que j'ai des doutes. Donc à l'époque, ils ont mis un quota, et comment ils l'ont fait? Ben, en fait, ils ont recruté la promo normalement, et ensuite, ils ont ouvert les 30 places qui venaient ensuite uniquement aux femmes de la liste d'attente. Et ce quota, ils l'ont maintenu un certain nombre d'années, alors un certain nombre, genre grand, hein, plutôt 10 ans, et aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. C'est-à-dire, à force de socialiser cette école, à comprendre que, eh ben, qu'on pouvait faire un petit effort et que les femmes qu'on allait recruter en allant les chercher de façon un peu plus volontariste faisaient partie du paysage de l'école, ben, au bout d'un moment, c'est devenu normal d'être une fille et de postuler à NTNU. Et puis, ils ont fait autre chose de tout à fait important. Ah non, ce n'est pas eux, pardon. C'est Carnegie Mellon. Eux, ils s'en sont sortis sans quota. Mais ils ont réfléchi sur les critères d'admission. Et dans les critères d'admission, ils se sont dit, bon, est-ce qu'une compétence préalable en technique est vraiment à ce point nécessaire pour devenir à terme un ou une bonne ingénieur en informatique? Si la personne nous dit, j'ai fait une LAN party avec mes potes ou j'ai branché la livebox de mes parents, est-ce que vraiment je suis sûre que ça deviendra
un informaticien ou une informaticienne brillante. Bon, OK, il y a, alors soit c'est le couteau sous la gorge parce que les parents ne savaient pas brancher, soit c'est qu'il y a un petit intérêt en technique, mais ça ne nous dit quand même pas grand-chose. Après, on va avoir 5 ans pour les former à l'informatique. Donc, ils ont varié les critères d'admission et pas tellement en se préoccupant des premières compétences en technique. Puis l'autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des cours sur le genre à tout le monde. Parce que dans ces écoles-là, moi, je suis allée interviewer des écoles qui seraient l'équivalent des DUT en Suisse. Et je suis allée interviewer les filles, qui sont en général 2 dans une promo de 40. Et ce qu'elles me disent, les filles, c'est que sur les 40 mecs, il y en a 35 qui sont sympas. Ensuite, il y a une sous-rubrique qui sont encore plus sympas, qui sont leurs potes, mais au pire, il y en a 35 qui sont soit sympas, soit indifférents. Enfin, le manque de filles en informatique, ça ne les concerne pas. Eux, ils pensent qu'ils ne font pas de différence, donc ils ne pensent pas qu'ils font partie du problème. OK. Et puis, on a 5, ils sont franchement toxiques. Ils font des plaisanteries sexistes, ils mettent la main aux fesses, bourrés en soirée, ils se comportent comme des porcs. Mais elles sont 2, et eux, ils sont 5. Donc, vous voyez bien, pour elles, c'est temps plein. Et puis ces 35 mecs qui sont plutôt sympas, s'il y en a un, si chacun de ces 35 fait une plaisanterie sexiste par mois, qui ne fait pas une plaisanterie sexiste par mois? Ouais, mais elles sont 2, ils sont 35. Pour elles, c'est âgé continu. Et c'est ça qu'elles expliquent, ces filles, dans ces filières d'informatique. L'essentiel des mecs, ils sont sympas. Par contre, ils ne voient pas qu'il y a un système continu qui est pesant. Alors, quand ils voient les 5 gros lourds qui se tiennent n'importe comment, ouais, sur le coup, ils les arrêtent, mais après, ils disent, ouais, bah, tu sais comment il est. Non, non, je sais comment il est, mais c'est pas ça le souci, c'est que c'est sans arrêt. Donc, des cours sur le genre pour expliquer aux mecs, bah, un peu ce que je suis en train de vous expliquer, que quand on donne un coup de pouce pour les filles, c'est pas parce que c'est des pauvres choses qui s'en sortent pas. C'est parce que, justement, il y a un système qui les désavantage et quelques toxiques qui les désavantagent. Et si on veut pas mettre tous les mecs dans le même panier, bah, vaut mieux qu'ils soient solidaires que de dire, je ne fais pas partie du problème. Parce que le truc, c'est qu'en informatique, ce n'est pas un vrai graphique, mais vous allez comprendre où je veux en venir. 82% des personnes en informatique n'ont jamais eu de problème de sexisme et 18% sont des femmes. Et il y a un décrochage supérieur des femmes. Les peu de femmes qui sont en informatique, elles décrochent plus que les hommes qui sont en informatique. C'est-à-dire au bout d'un moment, soit elles supportent plus l'ambiance, mais l'ambiance de quelques-uns, pas l'ambiance de la totalité, mais simplement plutôt une totalité un peu molle, qui sont pas si soutenants que ça. Et puis, leur salaire progresse pas autant que le salaire des collègues. Et puis, il y a toujours un chef, à un moment sexiste, qui va bloquer leur carrière, ou un client qui va être super chiant, et ton entreprise qui te dit, oui, mais enfin, bon, faut que tu saches le prendre, hein, parce que quand même, moi, c'est pas ma faute, hein, s'il est con. Et au bout d'un moment, et ben au bout d'un moment, on en a marre et on va essayer autre chose, comme la sociologie. Enfin, je ne conseille pas, normalement, c'est pas un métier où on trouve du boulot. Mais bref, si on veut plus de femmes dans le numérique, la première chose, la toute première chose qu'il faut faire, c'est faire de nos écoles et de nos entreprises des safe spaces. Parce que aller bosser en se disant qu'on est peut-être en danger, ou alors que ça va être lourdingue, ou alors que selon la manière dont on s'habille, on risque de déclencher une émeute, ben, au bout d'un moment, c'est franchement pesant. Voilà, je vous remercie. Ça, c'est ma page de pub. Si vous voulez voir les autres choses que j'ai pu faire. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions si vous voulez en poser. Donc n'hésitez pas à lever la main et on va passer entre vous. Bonjour et encore merci pour cette conférence. Je voulais juste savoir, est-ce que le nombre de femmes qui aurait diminué dans les années 80, est-ce que ça pourrait être dû aux jeux vidéo, qui est notamment un milieu assez masculin et qui aurait pu emmener beaucoup d'hommes finalement vers l'informatique à la place des femmes? Oui, absolument. C'est-à-dire, quand je vous disais qu'il y avait plusieurs phénomènes qui sont arrivés en même temps, le micro-ordinateur, c'était essentiellement des ordinateurs de jeu. Et pendant un temps, on a vu arriver dans les écoles d'informatique. Alors, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase où les jeunes hommes qui venaient, c'est parce qu'ils voulaient tous développer des jeux vidéo. Là, ils n'ont pas tous développé des jeux vidéo, mais c'était un attracteur majeur. Il y a eu une phase où ils voulaient tous être des hackers.
et ils sont aperçus que ce n'était pas le hack qu'on leur apprenait à l'école, mais ils sont quand même devenus informaticiens. Donc oui, le jeu vidéo est un extraordinaire attracteur pour qu'il y ait plus d'hommes dans l'informatique. En même temps, ce que je vous ai montré sur Playmobil, vous regardez les jeux vidéo dits de filles ou dits de garçons, à quoi on reconnaît un jeu vidéo dit de filles, c'est à la pauvreté intellectuelle qu'on met en œuvre pour le manipuler. Franchement, les scénarios riches, les aventures extraordinaires, c'est plutôt dans les jeux vidéo que quand on tape jeux vidéo de filles ou jeux vidéo de garçons sur des sites web, c'est très très clair, c'est pas, enfin, élever des licornes ou échanger des joyaux, enfin, ça mène pas très très loin, quoi. Donc oui, le jeu vidéo qui arrive en même temps que le micro-ordinateur dans les années 80 a participé à ce déséquilibre. Vous avez parlé au début de la conférence des personnes trans et non binaires. Et justement, dans l'informatique, il y a un certain cliché que il y a beaucoup de femmes trans dans l'informatique. Est-ce qu'il y a eu des études pour valider ou invalider et ou, le cas échéant, justifier et expliquer ce cliché? Alors, on n'est pas sur des nombres statistiquement significatifs, donc les études qui ont tenté de le valider n'ont pas réussi à le valider de façon statistiquement significative. De même qu'on s'est demandé si c'est plus de personnes gays ou lesbiennes ou de minorités de genre, on n'arrive pas à le montrer statistiquement, outre déjà que c'est que tracer le périmètre de l'informatique, c'est un vrai cauchemar. Donc bref, on n'y arrive pas. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, quelle que soit la raison pour laquelle vous n'êtes pas à l'aise, et que vous soyez geek ou que vous soyez trans, l'informatique, c'est un bel endroit. Voilà. C'est un bel endroit où on peut chercher... lisez ce que je raconte sur le blog du Monde, où on peut chercher l'être informationnel comme Alan Turing, où on peut penser que le corps a peu d'importance du moment que l'esprit est dans la machine, où on peut être un personnage virtuel surpuissant comme dans Snow Crash par exemple, où, parce que dans le multivers on est la personne qu'on n'arrive pas à être dans le réel. Bref, quand on a un problème avec son corps physique, l'informatique c'est un bel endroit, pour toute raison que ce soit. Donc c'est assez compréhensible que des personnes qui veulent jouer avec leur identité de genre ou qui sont en guerre avec leur biologie se retrouvent en informatique. Il y a très longtemps, dans les débuts d'Internet en France, un peu plus tard que ça, fin des années 90, j'avais dans ma signature sur Internet, votre genre, c'est juste une question de pronom. Parce que sur Internet, ça fait très très longtemps qu'on peut arriver sur un forum, dire mes pronoms c'est ça, et après on se moque de à quoi vous ressemblez et qui vous êtes derrière. Donc oui, c'est un bel endroit si on veut jouer avec la non-binarité, la transidentité, d'autres versions du genre. Mais statistiquement, je ne peux pas vous répondre. On n'a rien d'affirmé. Comment vous pensez qu'on peut... Là. Bonjour. Je sais où vous êtes. Là. Ok. Déjà, je remercie l'AFUB de vous avoir mis en face de personne parce que c'est d'utilité publique votre conférence. Merci. Et comment vous pensez qu'on peut agir au quotidien sur le biais que les gens vont avoir sur le fait que les femmes vont être plus avoir plus de talent dans les soft skills et que les hommes vont être plus doués en technique, etc. Et comment dans notre entreprise on peut au quotidien agir là-dessus et essayer de faire prendre conscience aux gens que c'est pas vrai en fait. Alors. Le truc dramatique, c'est que ce n'est pas parce qu'un stéréotype est un stéréotype qu'il n'est pas aussi fondé. Ce que je veux dire par là, c'est que vu la manière dont sont socialisés les garçons et vu la manière dont sont socialisées les filles, dans un certain nombre de cas, on a des filles qui ont plus de compétences en soft skills que les garçons. Ça ne veut pas dire que c'est mort pour les garçons du côté des soft skills, ni que c'est perdu du côté des filles pour la technique. Mais... Par ailleurs, c'est ce qu'on a tendance à mettre en avant. On a été socialisé à mettre ça en avant. On a tellement attendu ça de nous, qu'on soit garçon ou fille, que c'est ce qui est plus facile à mettre en avant. Et si, en plus, on vous renverra à moins de questions. On ne vous dira pas « Ah, bah tiens, t'es une fille pourtant » ou « Ah bah ouais, tu sais faire ça, c'est très féminin. » Comme voilà, si vous voulez qu'on vous foute la paix, il vaut mieux rester conforme à un stéréotype. Parfois, ça vous rend quand même la vie complètement invivable et irrespirable. Donc... Le stéréotype, on n'y peut rien. C'est-à-dire que c'est la première image qui vous vient en tête. Mais vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à la première image, vous pouvez passer à la deuxième image. Donc, quand on a tendance à un peu, quand on se rend compte qu'on a tendance à un peu systématiquement remettre les femmes dans les soft skills et les mecs à la technique, on peut se demander pourquoi je fais ça,
Est-ce que j'ai des vrais éléments de compétences qui me font dire que si jamais je mets ce mail au soft skill, la boîte va à sa perte ou inversement? Si ce n'est pas le cas, on peut essayer d'autres choses. On peut essayer de faire des tournus, on peut essayer de former les gens. Moi, je suis en sciences de l'éducation, hein, j'y crois à la formation. Je pense que c'est perdu pour personne. Par contre, si on vous renvoie sans arrêt à vos compétences supposées et si on ne vous écoute pas quand ben, vous mettez en œuvre des compétences que vous êtes supposé pas avoir, évidemment, ça va être un souci. Là, il y a une mission du côté des RH. Tout dépend de la taille de votre entreprise, hein. Du côté du responsable de l'entreprise quand les entreprises sont des plus petites tailles, du côté de chacun et de chacune, pour essayer de regarder un peu les gens éventuellement autrement. Si déjà on arrêtait les propos de sexisme ordinaire, on arrêterait de se répéter sans arrêt qu'il y a des compétences strictement pour les hommes et pour les femmes. Moi, j'ai une question sur l'un des arguments que je vois souvent sur quand on parle du nombre de femmes dans la tech, surtout en France, c'est des gens qui disent que c'est qu'on n'a pas envie d'y être et que la preuve, c'est que plus un pays est libre, moins il y a de femmes dans l'informatique. Vous en avez un peu parlé en parlant de la Malaisie et tout ça, mais qu'est-ce que vous avez à répondre à ça sur les réelles causes en fait de ça et de à quel point c'est du bullshit, cet argument-là. Alors, il y a une étude qui est sortie, il y a un article scientifique, je veux dire, depuis qu'il est sorti il y a 5 ou 6 ans, j'arrête pas, enfin, je veux dire, ça, comme quoi il y a un seul article spécieux en termes de corrélation, l'impact qu'il a, parce qu'il va dans le sens des stéréotypes, ça fait peur. Alors, nous, on peut en écrire des piles comme ça, mais comme ils sont contre-intuitifs, on s'en fout. Alors, cet article-là, il montre qu'effectivement, il y a une corrélation. Alors, une corrélation, on est d'accord, c'est pas une causalité. C'est pas parce qu'il y a deux phénomènes qui marchent ensemble que A entraîne B ou B entraîne A, d'ailleurs c'est autre chose. Alors cette corrélation montre qu'effectivement il y a un certain nombre de pays où quand les femmes ont plus de droits, leur choix semble plus ouvert, leur choix semble plus dirigé vers les disciplines dites féminines, alors que quand les femmes ont moins de droits, les femmes sembleraient se diriger vers les métiers techniques. En fait, c'est des corrélations qui mélangent des pays qui ont des motivations ultra variées. En fait, cet article présuppose que la technique, c'est le premier métier le plus important et le plus beau, tout pays confondu. En Suisse, le premier métier, vous allez rire, c'est pas dans l'informatique, c'est dans la finance. Ça alors ? Voilà. En France, il n'y a rien de plus beau qu'ingénieur. En France, on pense que si vous avez un diplôme d'ingénieur, waouh, toutes les portes s'ouvrent devant vous, c'est extraordinaire, vous pouvez même faire des soft skills éventuellement, c'est magnifique. C'est pas du tout ce qu'on pense dans n'importe quel pays. Par exemple, un pays très curieux, la Turquie où il y a des femmes en informatique à l'université. Ouais, c'est parce que l'université, on est hyper mal payé en général, c'est des postes partiels où il faut en avoir un autre. Non, c'est dans l'armée qu'on fait des sous. Et donc en fait, la ligne qui permet de savoir où sont les femmes, la plupart du temps, et où sont les hommes, c'est regarder quels sont les postes les plus prestigieux dans les pays dans lesquels on est. Et là, on se rattrape assez rarement. C'est-à-dire que là, on a une corrélation, on ne peut même spéculer qu'il y a une inférence. Alors, il y a quelques pays qui ne sont pas montés de cette manière-là. Je vous dis genre l'Algérie, la Malaisie, le Maroc, l'Iran, etc., pour des raisons assez variées, mais c'est parce qu'en fait, nos représentations geek pop culture américaines sur ce qu'est le fantasme autour de l'informatique ne sont pas arrivés dans ces pays. Et donc, c'est pour ça que les femmes sont relativement nombreuses, mais avec des trucs très bizarres. Vous voyez, au Pakistan, on recrute spécifiquement des femmes dans le traitement d'image et la reconnaissance faciale parce que seules les femmes ont le droit de voir le visage de femmes découvert. Donc, on a besoin d'informaticiennes en reconnaissance faciale. C'est quand même très spécifique. On ne peut pas dire complètement que c'est un choix libre et ouvert ou des choses comme ça. Donc, et de toute façon, je dirais quand bien même, le gros argument, c'est de se dire, ouais, les filles, elles ont qu'à venir, on ne va pas les forcer. Alors, les enfants, on les force sans arrêt. Hein. Les petits veulent faire quoi? Les mecs, ils veulent être footballeurs ou TikTokers et les filles, elles veulent être influenceuses ou fées princesses. Et en général, on les influence pour qu'ils fassent autre chose. Donc, si fées princesses, ce n'est pas bon, pourquoi pas informaticienne à la place, vous voyez, à partir de là. Ensuite, il suffit d'écouter les témoignages des filles qui font de l'informatique, qui simultanément disent « j'ai rencontré des gens super, la discipline est très chouette, je m'amuse en faire ça, mais de temps en temps quand même, c'est très compliqué parce que… » Et là, on se demande si vraiment elles ne viennent pas
ou elles s'en vont uniquement de par leur propre choix, si on les avait laissées tranquilles et aggro à parier, moi y compris. Non, moi, si j'avais trouvé du boulot, hein, juste, en tant que jeune femme mariée avec des enfants, si j'avais juste trouvé du boulot en CDI, je pense que je serais devenue une informaticienne très heureuse plutôt qu'une sociologue très heureuse. Merci beaucoup pour ces réponses.